Salut, c'est Frédéric. Salut, c'est Gaëtan. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. En effet, Gaëtan et moi, on va vous présenter nos dessins animés préférés ainsi que les chansons qu'on adore de ces dessins animés-là. Et on va chanter un peu dessus, un peu danser, voilà. On va vous montrer un peu ce qu'on aime beaucoup faire toutes les deux. Donc, on a choisi 6 dessins animés. C'est pas forcément des Disney. Ouais. Parce qu'on n'aime pas tous les Disney non plus. Oui, voilà, on n'a pas vu tous les Disney. Oh, déjà, on ne les a pas tous vus. Et puis, c'est surtout les récents qu'on aime bien. Et voilà. C'est surtout aussi des Disney d'enfance. Oui. Que j'avais vu, mais que j'aime plus maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, et puis, également les chansons. Alors, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un classement. Parce qu'on aime, voilà. On n'a pas forcément les mêmes préférences. Donc, Gaëtan va d'abord vous dire c'est son classement des 6 dessins animés. Moi, je vais vous dire le mien. Et ensuite, on va vous mettre les chansons et on va chanter et danser. Donc, Gaëtan, vas-y. Le numéro 6, c'est quoi? La Reine des Neiges. Voilà. Alors, La Reine des Neiges, je vous expliquer. Non, mais c'est vrai que La Reine des Neiges, voilà, maintenant, ça fait longtemps. Pourquoi j'aime pas? Alors, en fait... Mais si, t'aimes. Enfin, oui, mais pourquoi c'est le dernier? Pourquoi c'est le dernier? Parce que en fait, c'est pas genre un Disney préféré, parce que l'hiver, déjà, j'aime pas trop. Voilà. Je préfère l'été et tout. Et en plus, je sais pas, mais j'aime pas trop les super pouvoirs ou les trucs comme ça. Et il y a juste un tout petit peu d'action, enfin... Pour moi, c'était trop... Ouais, tu comprends pas trop. Ouais. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc pour moi, je l'aime bien. Ouais. Si j'ai plus rien à regarder, je le regarderai. Mais c'est pas mon ton top numéro 1. Voilà, quoi. Tu vois, c'est pas, je vais pas acheter des trucs dessus. Juste il y a un t-shirt que j'ai acheté. T'avais acheté un t-shirt, il était beau celui-là. Mais il est trop petit. Ah bah oui, c'est fini maintenant. Alors, le numéro 5. Le numéro 5, c'est le Pôle Express. Tu vois, c'est tous les trucs dans la neige. Hein. Voilà, le Pôle Express, si vous connaissez pas, c'est un dessin animé de Noël. Il est magnifique. Voilà, c'est fait d'une certaine manière que c'est presque réel et ouais, ouais. C'est une magnifique histoire. La musique est trop trop belle, vous verrez, je vous la mets après. Enfin, voilà. Trop bien. En numéro 4. Alors, numéro 4, c'est Zootopie. Ouais. Alors, ça, c'est, je pense que. On l'a vu au cinéma. Si vous êtes vraiment fan de Disney et tout, vous devez connaître parce que bon. C'est pas un Disney, Zootopie. Hein, non, mais je veux dire, c'est. Si l'univers tu vois, est voilà, trop l'univers, beau, voilà. Les chansons. Si t'es vraiment addict à des genres de Disney un peu. Avec des animaux. Voilà, des animaux ou des actions un peu. Mais j'aime bien parce que ce film, en fait. Ça fait moins bébé. Ça fait moins bébé et en plus il y a beaucoup d'action et à un moment ça fait peur quand. Enfin, c'est un truc de crime donc. Voilà, c'est policier, elle aime bien. J'aime bien, voilà. En numéro 3. Réponse. Alors, j'ai dit que j'aimais pas la Reine des Neiges et que j'aimais pas les super pouvoirs, mais réponse, j'aime bien. Et c'est pas un super pouvoir, ses cheveux, c'est naturel pour moi. Oui, voilà, c'est pas, donc, quand c'est pas de la magie. Dans la rue. Ah, si, c'est de la magie quand même, mais c'est moins. C'est pas le personnage principal. Ouais. Et j'aime bien qu'il y a une vieille sorcière méchante qui. Enfin, c'est bien, j'aime bien, il y a de l'action. Après, t'aimes l'histoire, hein, tout simplement. En fait, tu sais quoi? J'aime bien les trucs à l'ancien, dans une petite tour, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien. Après, c'est vraiment... Pas de soucis, pas de soucis. Numéro 2. Là-haut. Si vous ne connaissez pas, là-haut, c'est... Oh, si. Mais je pense c'est avec la maison, avec les ballons, vieux, voilà, le petit vieux, il est pied. Adorable, le petit garçon. Oh, c'est un magnifique dessin animé. Alors, pourquoi je l'aime bien? Parce que ça fait quand j'étais petite, ça me faisait un petit peu impressionner le... Comment ça s'appelle l'énorme bestiole? Le dodu, là? L'énorme bestiole, mais là. C'est pas un dodu ou je sais pas quoi, là? Un dondon, je sais pas. Ou un doudou? Non, mais en fait, il a dit une bestiole qui n'existait pas. Il a dit un truc au hasard. Va le chercher, voilà, c'est ça. Le dahu. Voilà. Faudrait que je le regarde celui-là parce que je l'aime vraiment. Ouais, avec Evan, vous le regardez très très souvent. Et en numéro 1. Alors, c'est la nouvelle mode, c'est Vaiana. Wouh. Alors, en fait, j'ai l'impression que c'est dans les modes. On l'a vu au cinéma aussi. En fait, j'ai l'impression que c'est dans les modes.
Je sais pas. Sauf que la réponse est à très longtemps. Bah oui, c'est ça, mais... Ouais, Vaiana, on l'a vu au cinéma, on a adoré. Moi, j'avais envie de pleurer du début jusqu'à la fin. Alors, la musique. Oh, alors, donc, la musique, donc c'est pour ça que j'aime bien. La nature. La nature, la mer. Alors, j'adore les jeux de survie. Oui, elle adore ça, ouais. J'adore ce qui... Les jeux de survie, ce qui... Je regarde souvent des films qui sont dans la nature. Je regarde elle aime plus, le Lost, elle aime Seul voilà. au monde, les trucs de survie. Elle aime beaucoup les radeaux, les... Ouais, les trucs pour construire. Koh-Lanta, The Island, voilà, c'est les, ça. Ouais, les émissions, tout. Voilà. J'aime bien, voilà. Donc, ça, bah, c'est ton top 6. Voilà, donc... Moi, je vais vous donner le mien rapidement. Vous allez voir, c'est pas du tout pareil. Donc, sauf le dernier. Moi aussi, j'ai mis Reine des Neiges en dernier parce que, bah voilà, il commence à faire son temps. Et on l'a vu et revu, mais bon, c'est toujours un de mes dessins animés préférés par rapport à d'autres. Donc en numéro 5, j'ai mis là-haut, voilà, je trouve que c'est un très beau dessin animé, le papy, il m'émeut, mais terriblement, enfin c'est vraiment très très l'histoire, beau. L'histoire. L'histoire est très très belle, mais j'adore le papy, il ressemble comme deux gouttes d'eau à un de mes ex-patrons, voilà, que je déteste, que j'ai détesté, et il lui ressemble trop, bref. Mais elle l'aime bien quand même. Mais voilà, il était marrant. En numéro 4, j'ai mis Zootopie. Pareil, j'ai adoré ce dessin animé. On l'avait vu au cinéma. C'était vraiment très, très bien. En numéro 3, ça, c'était mon Disney préféré avant un autre. Vous allez comprendre. Donc, mon Disney préféré avant, c'était Réponse. J'adore. Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. J'adore les personnages. J'adore l'histoire. J'adore la musique. Mais maintenant, mon Disney préféré, c'est Vaiana, depuis qu'on l'a vu. Mais oh, comme j'ai dit avant, j'ai pleuré. La musique, ça m'a émue. Voilà. Les décors, enfin, j'ai tout aimé. Vraiment, j'ai tout aimé dans ce dessin animé. C'est magnifique du début jusqu'à la fin. Par contre, mon dessin animé préféré, c'est Le Pôle Express. Donc, c'est un dessin animé de Noël. C'est magnifique. Quand je le vois, ça me rend... Surtout la musique. La musique, elle est belle. J'ai vraiment l'impression d'être dans le dessin animé. J'ai vraiment l'impression d'être dedans. J'adore les personnages. Ça me rend nostalgique. Enfin, je sais pas. Si vous pouvez, regardez-le. Par contre, c'est vraiment un dessin animé à voir en période de Noël, quand il fait froid dehors, que vous avez bien chaud dedans, vous mettez sous un plaid et vous regardez ça en famille. C'est génial. Donc, on arrête de parler. Maintenant, on va passer aux musiques. Donc, on va prendre le classement de Gaëtan. Et on va commencer par nos chansons préférées de La Reine des Neiges. Donc, sur toute la playlist, notre chanson préférée, c'est celle-ci. Ah, d'accord. Pas si faible. C'est pas grave. Ouvrez les volets dans le salon. Laissez entrer sa terre, ils sont si bons. Et mettez les petits plats dans l'écran. J'étais seule dans ces longs couloirs. Il n'y avait pas de bal le soir. Enfin nous entrons dans l'air du temps. Voilà. J'ai fait un petit dab. Hein. Oui, bah, allez, hop. Tu l'as bien mal fait. 1, 2, 3. Nous, notre délire, c'est faire comme ça. Nous, on fait comme ça. Sauf que c'est le dab des filles, quoi. Yeah. Non, mais moi, je fais pas comme ça. Vous. Tu sais. Donc, voilà. Donc, ça, c'était notre chanson préférée de Libérer, Délivrer, enfin, de La Reine des Neiges. Même si ça nous saoule un petit peu. Mais bon. Voilà. Ensuite, Le Pôle Express. Ah, vous allez voir la musique, elle est trop trop belle. Bon là on va pas chanter parce qu'il n'y a pas de chant, mais c'est la musique. Voilà. Écoutez. Thank you.
donc vraiment, c'est un univers magnifique. Pardon. Pardon. C'est pas toi, mais c'est ta chaîne. Alors ensuite, on va passer à une de mes chansons préférées, c'est celle de Zootopie. Alors, il y a deux versions. Je vais vous faire écouter celle de Gaëtan et ensuite la mienne. La mienne, c'est une version a cappella des Home Free. Je pense que vous ne connaissez pas, mais c'est pas grave. On prie et ne s'aimait pas. On prie un national. Et ça va bien, hein? Maman, tu coupes pas ce moment. D'accord, je couperai pas. On prie un amateur. On prie un maman. Je dis n'importe quoi, mais ça le fait bien. Parce que je dis. Attention, 3, 2, 12, c'est parti. De Gaëtan, et moi je vais vous faire écouter elle ma version. Elle est bien, hein, Oui, bah c'est la version normal. La version normal. Et moi j'adore cette version-là. Ouh, on n'entend plus rien. Là on entend. Avec mon papa, on adore ce groupe. S'il passe en France, on ira voir. Ah, punaise, je suis trop bonne. Oui, t'arrives bien. Et je devrais faire ça. J'ai un talent de fou. Voilà. Et en plus, je connais tu devrais faire une ta copine batterie. Qui regarde toutes mes vidéos. Ah. Bah oui. Et qu'est-ce que tu fais par terre? Parce qu'il y a mon copain. Ah, ok, d'accord. Donc, voilà, vous nous direz si vous êtes plutôt la team Shakira ou la team Humphrey. Par contre, t'as un cil. Ah, bah c'est pas grave. Et juste... Si tu passes par là, ma copine, mais est-ce que je... C'est Élise. Oui, Élise. D'ailleurs, on te fait un gros bisou parce que tu m'as donné un courrier, ça m'a fait trop plaisir. Merci. Et je sais que tu vas regarder cette vidéo. Voilà. Est-ce que je chante bien? Oui. Parce que... Non. Mais si. Non, par contre, tu y mets tout ton cœur et ça me fait plaisir. Non, quand on chante toutes les deux, ça va. Ça va. En fait, toi, tu fais... Et moi, je fais... Oui, moi, je fais les cœurs, moi. J'aime bien faire les cœurs. Ouais, tu fais les cœurs, regarde. Maman, elle fait les cœurs comme ça. Elle est drôle ou pas? C'est pas un cœur, ça c'est un ovale. Mais ça, tu sais que c'est mon plus beau cœur que j'ai fait. Non. On y va, on continue ou... On va faire la musique de réponse. Smarties. Alors pareil, réponse. Tout le monde connaît. Mais moi, ma chanson préférée de réponse, c'est celle-ci. On va peut-être mettre du volume en fait. C'est peut-être parce que j'ai pas mis de volume.
les musiques qui bougent et celle-là, c'est ma préférée. Toi aussi. Mais j'ai encore perdu le capuchon. Ah, tu saoules. Bon, Gaëtan, elle est plus intéressée par son stylo, hein, que les musiques. Alors maintenant, on a la musique de là-haut. Alors la musique, j'ai pas trop trouvé de musique de là-haut. C'est pas évident de trouver une musique de là-haut. Donc il y a des vidéos, voilà, du genre ça. Ça, c'est au tout début, quand vous voyez le papy avec sa femme. En tout cas, c'est un très beau dessin animé avec de très belles musiques, voilà. Mais enfin, on va enfin passer par nos musiques préférées. Ce sont celles de Vaiana. Alors, il y en a deux. Ah ouais, il y en a deux. Non mais c'est pas vraiment comme ça que je chante, mais c'est pour faire un garçon. Mais oui, t'inquiète pas, on aura compris. Pour ceux qui vont me demander, je suis sur Spotify, voilà. Par contre, je ne partage pas mes playlists, c'est privé. Bah, si tu les partages avec moi. Bah oui, avec la famille. Ouais. Bah oui, avec mon papa aussi et tout ça, mais c'est tout. Tube de Fred. Voilà. Ah ouais, mais tube à moi. Oh la vache. Donc c'est parti pour nos deux, trois chansons préférées. Moi, il y en a une que j'aime pas, mais on la mettra quand même. Oui, parce que c'est ma préférée. Ah, oh, celle-là, j'aime. Laissez passer, Diana, tu vas aimer le village de Matonoui, ce paradis où tous les danseurs se préparent pour la danse des anciens. Et pourquoi changer si celle-ci nous suffit? La tradition, notre ambition. Oh, Diana, tu as une mission. Aimer ton peuple et ton île, trop suffit. Ah. Non, ne t'en vas pas, notre peuple a besoin d'un chef et te voilà. Un jour viendra où tu ouvriras les yeux. S'il existe un monde heureux, c'est celui-là. Nous avons la noix de coco, les arbres et les fruits. Tout ce que la nature nous donne nous suffit. Nous de dessert, il n'y a pas mieux. Sous la crème et sucré, juste à nous servir un vieux feu, à chanter et cuisiner. Ah, j'adore le petit. On aime bien la mamie parce qu'on dirait ma maman qui chante. Qui chante, c'est Babou. J'adore danser au bord de l'eau, les pieds sur le sable chaud. L'océan est malicieux, indomptable et capricieux. Le village dira, c'est toi, une vieille femme sans foi ni loi. Savoir ce qu'on aime, c'est savoir où on va. Tu as tout de ton papa. Orgueil et fierté, obéis-lui mais n'oublie pas cette petite voix qui veut te guider. Et quand elle te dira tout bas de suivre l'étoile des rois, Vaiana, cette petite voix parle de toi. Donc je pense que vous aimez aussi. Si vous connaissez oui, si pas, vous aimez pas, mais je vous. Non, c'est pas possible. Non. Elle est trop bien. Ensuite. Non mais, c'est votre droit de pas. Mais bien sûr, je rigole. Hein. Je rigole. Ça, c'est ma chanson. Voilà. Anthony Cavan, j'adore. D'accord. Je comprends ce qui se passe. Face à la perfection, c'est si rare. Tu te sens toute drôle, toute bizarre. C'est adorable. Les humains ne changent pas, ils aiment ça. Ouvre les yeux, c'est parti. Tu peux te pincer, oui, c'est bien moi. Bah oui. Un vrai demi-dieu, ses cheveux, ce corps. Oui, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Comment vous le dire, c'est pour vous les hommes que j'ai créé. Je suis un demi-dieu, très ordinaire.
J'adore cette chanson, je l'adore. Quand je fais le ménage ou quand je fais la cuisine, je mets tout le temps celle-là. Et maintenant, nous allons mettre la chanson préférée de Gaëtan chez Vaiana. Avec il y a papa, Evan et moi qui je crois Evan. Moi, je n'aime pas du tout. On a regardé en Québec, c'est horrible. Ah oui, en Amérique, là, je vous ai en anglais. Non, D'Amato n'avait pas autant de charme. Il n'était qu'un petit crabe triste. Aujourd'hui, je peux enfin sécher mes larmes. Maintenant, on m'appelle Hardy. J'ai ta grand-mère qui dit, n'écoute que ton cœur. Je suis ta petite voix intérieure. Mais désolé, la vérité tient en trois mots. Tout est menteur. Il faut bien mieux briller, comme le trésor d'un pirate abandonné. Bien frotter jusqu'à le voir briller, scintiller comme un collier de perles. Voilà. J'aime les fruits de mer et les étoiles de mer. Non, de mer, pas de. Bon, voilà. Bon, ça se termine un peu en cacahuète. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu, donc dites-nous ça dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à nous les mettre également. Je ne sais pas si Gaëtan va remonter. Remonte. Bon, bah elle n'est pas décidée à revenir, hein, voilà. Donc je vais terminer la vidéo toute seule, c'est pas grave. Donc dites-nous... Ah bah si, elle revient. Donc dites-nous dans les commentaires quel est votre dessin animé préféré parmi ceux qu'on a cités, bien sûr, et si vous avez également des chansons préférées, dites-le nous, on se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre également. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder ma dernière vidéo. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit? On vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ah, faut dire ça. Oui, faut dire au revoir. Tu dis au revoir. Salut!